Je m'appelle Anthony, j'ai 24 ans et je suis e-sporteur professionnel au Royal Excel Mouscron depuis maintenant 2 ans. J'ai commencé à jouer à FIFA à mes 10-11 ans, donc c'était vers FIFA 05-06. Ça m'a toujours passionné. Dans ma haute école, il y avait un tournoi organisé et j'ai décidé d'y participer comme je voulais me tester en fait. Et ça n'a pas du tout été, j'ai été éliminé directement. Et au fur et à mesure, j'ai voulu me retester jusqu'à quand j'arrivais à gagner. J'ai commencé sur FIFA 15, j'ai rien gagné du tout. Ensuite, en enchaînant FIFA 16, j'ai été vice-champion de Belgique. La consécration à FIFA 17, où j'ai été champion de Belgique. Et ensuite, j'ai continué, j'ai gagné quelques tournois. Et l'année passée, sur FIFA 20, j'ai été vice-champion de Belgique une nouvelle fois. Avec des amis, on a un petit groupe, avant le Covid, on partait 3, 4, 5 fois par an à l'étranger pour des tournois FIFA. Donc on partait le vendredi, on revenait le dimanche soir ou le lundi et on a découvert plein de beaux paysages, plein de nouvelles aventures avec ça. Et c'est ça qui est fantastique, je pense, dans l'e-sport FIFA. Ma maman m'a toujours dit d'abord finis tes études, après tu fais ce que tu veux tant que tu as ton petit diplôme en poche. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai fini mon bachelier en management de la logistique et j'ai continué petit à petit l'e-sport et maintenant je cumule les deux. Voilà. Je suis fan de tennis, de basket, de football. Je fais du futsal quand le Covid le permet aussi. Je m'intéresse un peu à tout, j'écoute beaucoup de musique. J'ai commencé par du foot, donc vers mes 6 ans, je pense. J'ai fait du foot jusqu'à 12-13 ans et j'ai ensuite continué par le futsal que je pratique encore maintenant. Au football, j'étais défenseur central, la carrure, tout ça. Avant que je sois professionnel, on jouait en club pro. C'est le mode où on contrôle chacun son joueur, donc c'est du 11v11. Et à ce moment-là, je me faisais passer en gros pour le régulateur du milieu de terrain parce que j'aimais ça et au final c'est devenu Rego. À chaque match j'ai besoin d'écouter une musique parce que si j'entends le vide je pense que ça me déconcentre un peu. Et en fait comme le rythme de la musique va dans mes oreilles, je suis concentré sur la musique et pas sur le jeu. Ce qui fait que je joue mieux je pense parce que FIFA c'est pas un jeu où il faut trop réfléchir, il faut jouer un peu à l'instinct. C'est à la période où les clubs ont commencé à s'intéresser à l'e-sport. Mouscron était un des premiers, je pense, et ils organisaient des tournois annuellement. À la deuxième année, j'ai gagné le tournoi annuel. Shadow était encore pro ici, et l'année d'après, Shadow a été transféré au Standard. Et comme j'avais gagné le tournoi annuel de Mouscron, plus des performances en dehors, ils m'ont choisi pour devenir le nouveau professionnel. L'année passée, c'était assez spécial. On a commencé le championnat de Belgique en présentiel. Ça s'est très bien passé pour moi. J'avais fini premier de mon groupe. Et petit à petit, le Covid a commencé à devenir dérangeant. Et on a dû finir l'année en online, qui est beaucoup moins excitant pour pour un joueur comme moi qui préfère l'aspect public et tout ça, un peu de pression en plus. Il y a du monde. T'as envie de bien faire pour les gens devant toi, pour toi, et c'est ça qui est moins bien, je pense, depuis mars de l'année passée. Il manque un peu de show, un peu d'ambiance, même s'il y a des petites célébrations, je vais pas dire anti-jeu, mais pour piquer un peu l'adversaire, ça fait partie du jeu et je pense que ça manque un peu. Professionnel, tu as un contrat, tu as des revenus, tu as le club qui est derrière toi, qui te pousse à bien faire et toi aussi tu as envie de bien faire puisque tu as des responsabilités. Donc en tant qu'amateur, j'ai fait une année en tant qu'amateur ici et ça m'avait plu et j'ai eu la chance de pouvoir passer pro.
as envie de bien faire, tu as des responsabilités en plus. Donc tu t'entraînes plus, tu prends ça plus au sérieux en fait. L'objectif, c'est les playoffs, clairement. Je suis encore pas en bonne voie, mais je suis encore en lice et je pense qu'ils devront compter sur moi pour les playoffs. Je suis quelqu'un qui se lasse assez vite de FIFA. Et donc maintenant, au mois de mars, je joue beaucoup moins à FUT, par exemple, Ultimate Team. Je pense que la Pro League ici, c'est un moyen de continuer à s'entraîner et à jouer et à avoir envie de jouer. J'ai bien commencé avec, je crois, 4 ou 5 matchs où je marque à la dernière seconde et ça me rapporte la victoire. C'est quelque chose que j'ai un peu l'habitude de faire dans les autres matchs en dehors de la Pro League parce que je connais un peu le jeu depuis de nombreuses années, je sais comment il fonctionne et c'est le moment-là qui m'aide souvent quand je suis en mauvaise posture. Dans FIFA, il y a des moments clés où tu sais qu'il y a des trucs qui vont passer alors que dans n'importe quel moment du jeu, ça ne passera pas. Et dans les dernières secondes ou les premières secondes d'une mi-temps, à chaque fois, tu as un petit décalage quelque part, il faut le trouver. J'ai pas vraiment de style de jeu fixe, je pense. Je m'adapte beaucoup aux adversaires. De base, je joue en 4-2-3-1 depuis de nombreuses années, parce que c'est un système assez complet. Tu peux bien défendre, bien attaquer, construire, jouer vite. Donc c'est un peu polyvalent. C'est ça qui me plaît. Et je m'adapte un peu à mon adversaire en fonction de ça. Je pense que le meilleur joueur contre qui j'ai joué, c'était Geoffrey Mego de Zulte Wargame. C'était un match hyper serré, j'ai eu aucun espace et j'ai eu aucune occasion d'ailleurs, à part deux, trois petits cafouillages. Et lui, ça sentait qu'il était hyper bien organisé, que j'allais pas faire grand chose et il a réussi à trouver l'espace tandis que moi je ne l'ai pas trouvé et donc j'ai perdu. La formule actuelle, elle me convient pas trop, je pense, parce qu'on est là sur un rythme de un match par semaine. Donc tu dois être prêt directement. Et si tu te rates, c'est fini, tu attends la semaine prochaine. Et moi, ça me plaît pas trop. Je préfère un format élimination directe. Ils disent que le mode Ultimate Team est plus adapté parce que c'est le mode auquel ils jouent le plus. C'est le mode sur lequel tu peux passer énormément d'heures. Mais pour être compétitif là-dedans, je pense que tu dois dépenser un peu d'argent. Et je trouve pas ça correct, ni normal en fait, de faire de l'e-sport sur un jeu où la différence se fait à l'équipe et l'équipe se fait à l'argent. Tu peux comparer n'importe quel jeu, il n'y a que sur FIFA où tu dois dépenser des sommes astronomiques pour être compétitif. Et donc le mode de Nantes est vraiment équilibré pour tout le monde et juste en Belgique. Après sur la forme, ils ont peut-être limité justement les possibilités des Belges à se qualifier à de gros événements. Il y a plein de petits qui rêveraient d'être à notre place aujourd'hui. Nous, on a la chance d'être dans les 18 meilleurs de Belgique, ou en tout cas les 18 sélectionnés. Et je pense qu'il faut en profiter parce que si tu regardes il y a 10 ans de cela, il n'y avait pas grand-chose d'organisé. Et depuis quelques années, ça commence à prendre forme et je trouve ça très bien. Je joue à Football Manager. C'est le seul jeu en dehors de FIFA auquel je joue, parce que je ne joue pas du tout, très peu souvent à la console. Mais Football Manager fait partie des jeux auxquels je joue. C'est vrai qu'ici, nous, on peut analyser nos adversaires, on peut revoir notre style de jeu, regarder notre match, ce qui n'a pas été, ce qui a été, et modifier ce qui n'a pas été. Donc c'est un peu un rôle d'entraîneur qu'on a ici. Shadow, c'est un ami avant tout. On fait ça depuis plusieurs années. Je l'ai rencontré grâce à FIFA, grâce à l'e-sport. Donc voilà, un bon ami. E-Devils. E-Devils, c'est donc la sélection nationale en e-sport. J'ai fait le tournoi qualificatif en 2018. J'ai malheureusement pas pu me qualifier, mais c'est un très bon souvenir.
Et quand ça reviendra, pourquoi pas espérer y participer encore une fois. Moucron. Moucron, bah, c'est mon club, c'est une ville, c'est une fierté. Depuis que je suis ici, j'ai beaucoup de soutien de la part de tous les supporters. Et on voit à chaque match, même dans les matchs de vrai foot, qu'il y a une ferveur, une passion que certains clubs n'ont pas. Donc je suis très content d'être ici et j'ai hâte de continuer avec eux. Serie A, donc le championnat italien de football, mon championnat préféré parce que je suis d'origine italienne. Je suis le foot depuis que je suis petit et je suis supporter de la Juve. Donc ça, ouais, c'est un kiff de regarder chaque week-end les matchs de Serie A sur Eleven. Anders Weyrgang, le petit crack, il a 14 ans je pense. Et il a gagné 500 matchs d'affilée. Ben, je pense qu'il a l'avenir devant lui et ça sera sûrement un futur champion très bientôt. J'ai vu qu'il avait été sélectionné en sélection du Danemark. Donc, je trouve ça hyper impressionnant ce qu'il fait. Et en plus, comme il est très jeune, qu'il gagne beaucoup sa vie déjà grâce à ça, il a beaucoup d'envieux et de jaloux derrière lui. Donc un grand respect à lui. EGO. Ben, EGO, c'est là où tout a commencé. C'est là où j'ai été faire mes premiers tournois e-sport à Skarbek. Donc j'avais, je sais plus, 17-18 ans, je prenais le train jusqu'à Skarbek. On restait des journées, des week-ends entiers là-bas. Et c'est eux les pionniers, je pense, dans l'e-sport belge, c'est eux qui ont tout commencé. Et grâce à eux, je pense, on est en partie là où on est aujourd'hui grâce à eux.